Ah, vaillant guerrier, vous avez vaincu le djinn et sauvé ma fille. Je vous en remercie. Tenez, prenez ceci. Ça devrait être utile au cours de votre périple. Vous obtenez un canoë, ok. Il servira à récupérer le vaisseau de site qui est de l'autre côté de la rivière, forcément. Il y a un passage secret menant à la trésorerie quelque part dans le château. Oui, merci, j'avais deviné. L'épée zombicide, transposée, ouais, ça tu m'en as déjà parlé. Merci, gagne la lumière. Merci, gagne la lumière. Ok, c'est pareil. La princesse Sarah voulait vous voir, sa chambre est tout en haut de la tour est du château. Merci guerrier Emir, vous êtes de véritables héros. Après, 10 ans et plus. De toute façon, ouais, je vais me remettre un coup de repos là dans le lit de la princesse. La princesse Sarah n'arrête pas de parler de vous, vous savez. Ah bah tant mieux. Je vais demeurer auprès de mon père. J'aimerais pouvoir voyager avec vous, mais je ferai que vous ralentir. Votre Altesse, venez vous rendre visite une fois votre mission accomplie, d'accord? Je vous attendrai. Hop, pouvez-vous vous reposer? Oui. Reposons-nous dans le lit de la princesse. Alors qu'elle est là. Putain, on tient un 4 dans son lit. Ça va, tu prends toute la place. Ah, j'ai bien dormi. Hop. Par contre, tu me gênes. Hein. Allez, on va récupérer notre vaisseau. Ah, bravo, je savais que vous arriveriez. Je parie que mon aéronef vous a été plus utile. Eh, que diriez-vous de me raccompagner jusqu'à Canaan? Ma femme doit vraiment se faire un sang-dangle, je compte sur vous. Et hop, Sid se joint à votre équipe. Ah, encore un que je vais promener, bon, ok. Je vous remercie, vous m'avez redonné mon apparence d'origine. Ok, pas de problème. Casus a prospéré jusqu'à... grâce à sa mine. Toutes les armes et les pièces d'armure en mitril sont forgées par le forgeron du village. La vallée de Nelve est la seule façon de traverser le massif de Palmeni, mais elle est obstruée par un éboulement. Le vieux Taka est le meilleur forgeron des environs. Il vit seul dans cette maison. Cette grotte est une mine de mitril. Ok. Y'a pas un indice comment progresser dans la grotte là? Bonjour, puis-je vous aider? Bon, de toute façon, il a déjà glacé sommeil, donc je peux cacher les feux. Poignard de mitril là. Il y a Calgary qui peut s'en équiper. L7 de mitril. Comme mâche blanc. Et épée de mitril. On va en prendre un. Un. Et là un.
Alors, ce poignard de mitrique est à 18, l'épée de mitrique est à 21, on va prendre l'épée hein, plutôt. Et elle, celle de mitrille à 18, ok. Bonjour, puis-je vous aider? Hop, là j'ai un bouclier de mitrille là. Et je peux m'équiper du guerrier. Guerrier, pas moine. Armée de mitrille que j'ai déjà. Armure de mitrille, ok. Ouais. Hop, là. Deux bracelets de mitrille pour les deux mages. Je m'équipe direct pour être sûr de pas oublier. Hein. Des fois j'achète des objets et puis je m'en équipe pas du tout, donc ça rien que je les achète, c'est pour rien faire avec. Et gants de mitrille pour le guerrier, ok. Qu'est-ce que t'as à me dire toi? Du suicide, l'expert en aéronef. Je suis célèbre, vous savez, ouais, je connais, je sais. Ah bah c'est non, l'autre a été ressuscité du coup. Bonjour, puis-je vous aider? Hop, lui il vend des potions, antidotes et colis. Prendre deux antidotes et trois colis, s'il te plaît, voilà. Il y a un passage secret qui permet d'accéder aux profondeurs de la mine du village. Alors voilà, c'est ce que je voulais savoir. Il suffit d'examiner le mur au fond de la mine. Après, avoir fait trois pas à droite de la paroi de gauche. Ok. Ah merci, je suis redevenu comme avant, grâce à vous. Attends, il y a l'autre... Je peux causer avec elle? Non, pas. Ok. Je peux pas causer avec elle là-bas. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma beauté d'antan. Ho ho ho! Ah bon? Ça veut tout dire, ça! Ça veut tout dire! Allez, la vengeance de la dernière fois. Vous aimez pas le feu, vous aimez pas les soins, eh ben je vous envoie ça. J'ai... Donc 3 pas à partir de gauche, 1, 2, ouais, à peu près là, c'est ça. Ouais. Hop! De toute façon, il n'y avait qu'un seul truc, hein. J'aurais pu le deviner tout seul, mais bon. Je préfère avoir l'indice avant. Hop, là on peut passer. Du coup, les deux coffres sont là. Ok. Ah non, pas de ce que je voulais faire. Je pensais qu'elle allait rattaquer les ennemis direct, mais non. Pas grave. Hop, épée de mitrille et épée de mitrille encore, ok. Ma douce épouse m'attend à Canaan. Ok.
Ah, je combats des pièces. Cool. J'aimerais bien entrer chez moi, Conan, mais un gros rocher bloque le palais de Nelve. Donc du coup on va voir le forgeron. Pour atteindre Canaan, il faudrait détruire le gros rocher qui bloque la vallée de Nelve. On pourrait sans doute y arriver en attachant une poudre mitrile à mon aéronef. Place Saint-Tienne, je vais en forger une. Voilà, c'est fait. Ah, pas besoin de me remercier. Vous avez sauvé le village, alors c'est la moindre des choses. Eh bien, soyez prudent. Hop. Taka a attaché une proue de mitrile à l'aéronef de Cid. Ok. Allons fracasser le rocher avec l'aéronef. C'est parti. Ah, j'ai plus d'aéronef déjà. Donc c'était très court. Hein. Bon bah, rip le vaisseau alors, hein. Merci pour tout, hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah, j'ai une idée. Je pourrais vous construire un autre aéronef, ça vous serait utile, non? Allez d'abord rencontrer le roi d'Argus, il détient les secrets de la construction des aéronefs. En tout cas, je vous dois une fer chandelle. Venez me voir quand vous voulez. Et Cid quitte l'équipe. J'espère que t'as apprécié la promenade, hein. Il paraît qu'il y a très longtemps, un mage itinérant a dissimulé une fiole d'infusion médicinale magique quelque part dans le village. Il y a 12 coffres et 3 objets, ok. Il dit qu'il y a un village de gnomes quelque part en forêt dans le sud d'ici. Ah, Sir Dish, votre absence me déchire mon âme. Pourquoi êtes-vous allé gravir la montagne au sud d'ici, là où nichent les dragons? Aïe. Aïe. Ma fille, Salina, est tombée éperdument amoureuse de ce vaurien de Dish. Et elle dit qu'il devait à tout prix trouver quelque chose et est parti sans crier gare. Mon pauvre fils est inconsolable. Un maillet magique. Okay.
Là, il y a un pot qui est entouré de murs. Et là, la petite fissure dans le mur, elle est ici. Hop, ça je me rappelle. Hop, épingle d'or. Maillet d'ailleurs, c'est peut-être pas. Non, c'est quoi maillet magique? Ah non, c'est. Guérit de l'altération déterminée ou rétrécit la cible, ok. Bonjour, la nuit coûtera 40 guilds. Vous voulez vous reposer ici? Non, c'est bon. Marchand d'objets. Là, je prends 4 herbes déco et 4 épingles d'or. Hop. Un voyageur du nom de Desh a visité notre village, mais il n'est pas resté longtemps. C'est pas où il est allé. Sort mini permet de rétrécir pour avoir une taille de gnome. J'ai vendu mon dernier exemplaire à Desh, le jeune voyageur. Ok, ça j'ai déjà acheté. Ça c'est pour ressusciter, j'en ai pas besoin. Hop, je vais voir dans l'herbe ce qu'il y a. Non, pour ça, il n'y a rien. Là, c'est Sid. La femme est tombée malade pendant mon absence. Tiens bon, ma tourterelle. Ah, si seulement j'avais un élixir. J'en ai pas non plus. Oh bah rip hein madame. Aïe. J'adore danser, vous voulez me voir danser? Oui. C'est la même danse qu'avant, mais bon, on dira rien. Le sort vent est un sort de magie blanche qui permet de manipuler les mouvements de l'air pour infliger des dégâts à l'ennemi. Les monstres volants y sont particulièrement vulnérables. Merci madame. Attention à la chute d'eau. Aïe aïe aïe. Hop, il y a un petit coin d'herbe là. Ah, j'ai trouvé l'élixir, ça y est. On va guérir la femme de Cid tout de suite, là. Aïe. Attends, t'es où? T'es là. Grand Dieu, vous avez guéri le mal qui m'affligeait. Mille merci à vous, jeunes gens. Merci encore, je suis redevable une fois de plus. Et comment pourrais-je vous exprimer ma gratitude? Ah, j'ai trouvé. Appuyez sur cette chandelle, un passage mène à une grotte qui servait autrefois de hangar pour mon aéronef. Il n'y reste pas grand-chose, mais vous pourrez y trouver un truc qui vous serait utile. Ok, bah merci mec. Grand arc, Pagnome.
Alors, pas gnome, c'est quoi? C'est affiche la carte détaillée du monde. Ça ne m'intéresse, ça me sert à rien. Pas gnome encore, donc. Potion. Flèche de fer. J'ai déjà mis. Non, j'ai mis des flèches sacrées. Flèche de fer, c'est encore mieux. Épingle d'or. Queue de phénix. Et cécité. Hop, là il y a le passage. Épingle d'or. Queue de phénix. Super potion. Et potion. Ok. Et 2 sur 12 et 3 sur 3. Ok, c'est bon. Alors, soin gelé, foudre et poison. Sans cécité. Ah, cécité, je l'ai pas. Ok, bah je vais le mettre sur le niveau 2. Ok. Voilà, c'est bon. Ouais, bah. Est-ce que les niveaux 2, je pourrais les augmenter ou pas? C'est... Ouais, je peux prendre 15 sorts de niveau 2 chacun. Ouais, vas-y, on va se reposer un petit peu là. 40 guilds ici, ok. Je vais garder ça. Il y a rien là. Ah bah y a pas le choix d'aller dans la montagne alors. Hop. Pic du dragon. Il y a trois coffres là, ok. Déjà que j'en ai un là en descendant. Le deuxième là. Le troisième il est ok. Sur les trois là, ça va.